À 17 ans, elle est nommée ambassadrice des jeunes écrivains de Côte d'Ivoire. Issim Mao a été reçue mercredi 17 mai par les ministres Mamadou Touré et Miss Belmonde Dogo, respectivement chargés de la promotion de la jeunesse et de la solidarité. Mon travail sera aussi de révéler au gouvernement les besoins et attentes des jeunes écrivains ivoiriens, c'est-à-dire plaider pour eux, faire part au gouvernement de leurs projets et tout. Donc c'est en quelque sorte la mission qui m'a été assignée. Et ce fut une très grande surprise pour moi lorsque le ministre de tutelle a eu à citer mon nom. Et donc, c'est aussi une occasion pour moi de prouver que les jeunes sont capables de prendre certaines responsabilités et aussi de donner raison au gouvernement sur son choix. Donc, voilà. C'est aussi une bénédiction pour moi, personnellement, parce que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Florence Mao Essim est ivoirienne de nationalité. Elle est auteure de deux ouvrages publiés aux éditions Plume Habile. Le premier est intitulé « Sublime destinée » et compte 122 pages dans 12 chapitres.